Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tant attendue, bah pas vraiment tant attendue parce que, voilà, je me suis dit pourquoi pas vous la faire, pourquoi pas vous offrir cette vidéo. Donc actuellement, on se retrouve en vidéo sur mobile, sur un jeu RP mobile et aussi PC. Oui, parce que ce jeu est disponible sur Steam et c'est Brock Protocol. Il est actuellement en réduction à moins 20% sur Steam à 1€. Vous pouvez aller l'acheter tout de suite. Il est à 1€ sur Steam. Profitez-en. Sort actuellement sur, Brock Protocol. Mais sur mobile, il est aussi. Vous avez les mêmes serveurs sur mobile et PC. Donc, bon, après, sur PC, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Mais sur mobile, il y en a aussi. C'est pas mal. C'est les mêmes graphiques. Vous pouvez les améliorer. Comme vous voyez là, hein, vous pouvez les améliorer dans les settings, tout ça. Il n'y a vraiment rien à faire. Donc là, quand vous êtes nouveau sur le serveur, vous pouvez créer votre propre personnage. Donc par exemple, vous avez le business, le fermier, businessman avec son chapeau. Vous avez aussi par exemple le mec qui s'occupe des travaux. Donc voilà quoi. Vous avez aussi le grand-père, la grand-mère, toute personne que vous voulez en RP, l'hôtesse de l'air. Vous avez aussi tout. Là, vous pouvez modifier votre casquette, une casquette ou un bonnet, hein, ça dépend de votre chapeau. Ici, ce serait pour modifier la couleur de votre barbe, si vous voulez en mettre une. Là, c'est pour changer votre polo. Ici, c'est pour un pack, c'est pour les packs. Là, c'est pour votre armure. Le grappant, c'est pour votre pantalon, savoir si vous le mettez en gris ou en vert. Ici, c'est pour vos chaussures. Et ici, c'est pour vos gants. Donc voilà. Donc, nous, hop. Donc, quand vous êtes nouveau, vous avez juste à. Donc, choisir ce genre de métier. Genre, comme vous voyez par exemple. Donc je tenais à vous informer aussi que le micro, quand je me mets à parler sur le jeu, le micro se coupe en pleine vidéo. Donc désolé s'il y a des coupures, mais en tout cas, vous découvrez le jeu, même si vous m'entendez pas tout le temps. C'était M. Oli. Bon courage, bonne vidéo. Frère, viens pas, je te dis viens pas. Viens pas, watch out, je vais faire tirer moi. Une balle peut-être, de MC. Non. Là on est en HRP. Bah je m'en fous. Toi tu tires sur mon copain. Je suis pas mon copain.
Attends. Et donc, comme vous le voyez très bien, le jeu, il est très très bien modélisé. Donc, vous avez la vie, la faim, la soif, la santé en bas à droite. Vous pouvez viser la cloche pour siffler ou quand vous êtes dans un véhicule pour klaxonner. Vous avez la vue en troisième personne, voilà, donc troisième, première, deuxième, hein, vous avez compris. Viser en x2. Vous avez le tableau en bas pour se connecter, suicider, savoir la liste des plays des joueurs, le chat historique, les commandes, les missions, le serveur info, les paramètres, etc. Et vous avez par exemple aussi le petit bouton en bas pour par exemple demander tout ça. Vous avez la visée pour taper, pouvoir taper sur les joueurs, la petite cible, voilà, la petite balle pour pouvoir taper ou tirer. Et utilisez aussi le téléphone. Vous avez le petit bouton au milieu en bas pour pouvoir afficher le menu, genre accéder voilà, au téléphone si vous en appuyez sur ce bouton. Donc voilà, vous avez les contacts avec le Name ID pour ajouter des contacts. Donc c'est très rapide quand vous ajoutez, donc il suffit juste de deux trucs. Après vous avez bloqué pour bloquer le contact que vous voulez, appeler le nom de la personne, envoyer un message à une personne avec son nom, des services disponibles, donc vous avez le... En service disponible, vous avez aussi les trucs. Vous avez aussi voilà, par exemple, là, je suis en appel avec Kylian, donc qui est un modérateur. Donc voilà. Et franchement, ça marche plutôt bien. Donc voilà. Et on fait des tests sur le jeu en tant que. Voilà quoi. Et donc vous avez par exemple le Weirdrow qui est la banque. Donc si vous voulez acheter vous voulez prendre de l'argent sur votre compte, retirer de l'argent ou en mettre. Vous avez aussi les jobs. Donc vous avez par exemple FBI, police, SAMU, les quartiers, les gangs, tout ça, tous ces cartels, tout ça. Vous avez taxi, gouvernement, président. Et bah, voilà, les Vagos, les TLPD, les TLFD, et voilà, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup, beaucoup de métiers. Donc bien sûr, pour accéder au métier, il faut être whitelist sur le serveur serveur Discord, qui sera disponible en description. Et tout permis, genre par exemple le permis VL, ou permis port d'armes, donc le PPA, tout est dans le Discord. Donc il faut avoir le Discord. Vous avez juste l'argent du Discord pour les métiers. Genre gouvernement, président, administrateur, modérateur ou cofondateur, c'est impossible. Mais modérateur ou administrateur ou support, vous pouvez. C'est directement en whitelist sur le serveur Discord. Donc je vous mets le lien Discord en description. Et voilà. Donc là, on teste bien le jeu, hein. Je vous donne une arme pour que vous puissiez leur montrer comment viser les Mais vous n'avez pas d'armes! Faut qu'il y ait Si, un PPA! C'est pour montrer, c'est pour lui montrer aux autres. Bah, donne-lui un PPA aussi pour qu'il montre. Et après, nous, on sait quoi le RP. Mais c'est un similaire, mais c'est vrai. C'est un fusil d'assaut. Ouais, mais montre-lui le PPA aussi. Comme ça, il y a ses ouvriers. Il faut le PPA pour avoir une arme. Alors, et aussi le permis de port d'armes, pour avoir alors. Et puis le permis de gaz. Alors c'est que les armes à points et jusqu'à la Uzi, donc c'est un pistolet mitrailleur, puis c'est accepté. Ah bon, c'est pas la Uzi. Permis de port d'armes au
pas si bien. Mais pourquoi vous voulez pas jouer? Vous êtes nul. Vous êtes nul. Ah, tu veux dire non, quoi. Oui, j'ai pas ça. Oh, il stream. Il est bien. Ah, tu peux viser les tirs pour les rechercher. Pousse-toi. Alors. Bah, je t'ai donné des balles. Je t'ai donné des balles déjà. Attends. T'en as 100 en moment. Elles sont vertes. Mais c'est déjà dedans. Je peux juste t'attirer. Comme si tu t'avais. Désolé, tu te dire que tu vas mourir. Mort récupère ou pas? Oh là, mort. Non, 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 ça marche pas. Allez, tire. Non, mais c'était à rechercher. Non, t'as pas les balles. T'as pas de boulot, boulot, boulot. Alors, regarde. Je t'explique. Quand t'as ton arme. Ouais. Est-ce qu'il y a des par exemple 30 avec 500 sur le côté 400 00 ok bah attends tiens est-ce qu'on a envie de faire slasher à 2 ah oui et quand je vise le viseur il suit carrément directement la personne et ça c'est un truc que je trouve vraiment mais genre vraiment trop stylé c'est... donc après voilà quoi c'est un jeu 3D mais crois-moi que quand le viseur essuie la personne la cible du moins la target la cible et bah ça lâche pas hein. Là pour l'instant les munitions ils marchent pas je crois que c'est pas les bonnes qui m'a donné je pense pas ouais non c'est pas les bonnes donc là je vais lui redonner l'arme voilà normalement je crois que je vais en avoir une autre je pense. Et je vais vous faire montrer les bruits, donc franchement, les bruits de l'arme et les tirs et les impacts de balles. Vous allez voir que c'est hyper réaliste. Bon, c'est en 3D, mais c'est hyper réaliste en tout cas. Donc franchement, le serveur, je vous le conseille si vous voulez. Hein, voilà, vous avez le serveur info, vous avez les règles, les règles du serveur. Hein. Toutes les règles, ils sont aussi disponibles dans le Discord. Ça, par contre, je m'intéresse bien lire. Ça, je t'ai juste voilà, vous avez le setting. Ici, vous avez la liste des joueurs, personnes. Donc là, vous avez Kylian, moi qui s'appelle Dolly Jones. Celui-là qui je suis en charge. Il y a Kylian, par exemple, qui est modérateur. Et les autres, c'est que des civils modérateurs. Il y a Robert Anderson, moi, Dolly Jones, qui est Samu. Il y a Bok aussi qui est support. Et un autre civil. Vous voyez, là pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Mais là, c'est exceptionnellement. C'est normal, c'est parce qu'ils souhaitent s'amuser. Et comme on est le soir, il n'y a pas trop de monde. Et donc pour information votre métier vous le voyez aussi en bas à droite à côté de votre vie. Donc là voilà je récupère l'arme avec les munitions, les bonnes munitions cette fois-ci. Je vais me l'équiper, hop, voilà, équiper en point secondaire. Hop. Toujours pas. Les munitions ils marchent toujours pas. Ils me donnent pas en fait. En fait je crois qu'ils me donnent pas assez les bonnes munitions. Mais voilà. On va essayer de voir. Attends. Oh, tu mens. Ils dépose-la par terre au pire. Ok.
t'as dans les mains, ce sera une M4. Tu peux tirer sur le mur et tirer, quoi. Et regardez les impacts de balles. Comment il y a même la fusée, il y a même la fusée. Ouh là là. Il y a même la fumée et les trucs. Regardez, et quand on tire sur une personne, regardez, le son pseudo il devient noir quand il est mort, quand il a plus de vie, et rouge quand il commence à perdre du sang, ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, quand vous visez, ça vraiment ça reste fixe sur la personne, ça ne bouge pas du tout, et c'est ça qui est hyper stylé sur ce jeu. Donc c'est un jeu RP bien sûr gratuit, donc franchement vous pouvez vraiment le télécharger sur Steam à 1€ et puis sur Play Store gratuitement, Google Play Store, donc sur Android. Donc voilà, et là hop, voilà, je viens de le buter. Hop, un mort égale 2 kills. Mais non, mais les médecins. Donc là j'essaie de soigner, mais sauf que en fait, le problème c'est que j'ai pas de trousse de soins alors que je suis SAMU. Ah oui, mais comme je me suis reco, j'ai perdu tous mes trucs. Non, il les a gardés même, à vrai dire. À l'attaque! Hop, à la mort! Hop, deux morts. Mais en fonction des dégâts que tu prends, et bah soit je vous étourdis. Et tu vois, on peut savoir aussi le type de ce qu'on a, genre par exemple une fracture, une blessure à la jambe ou un truc comme ça. Là par exemple j'ai des balles en plein dans le crâne. Et je suis mort. Et donc de base quand t'es SAMU, t'as le défibrillateur et t'as la trousse de soins, genre par exemple tu vois là il va me réanimer et hop les debout. Et après il va me soigner. Ah oui, il faut que je leur donne l'arme. Attends. Hop. Donc on peut soit drop l'arme par terre directement au sol, ou soit échanger. Donc voilà. Franchement, il est plus conseillé d'échanger que de drop l'arme par terre. Ok. Pour drop des trucs par terre, c'est quand c'est des objets. Hein. Tout ce qui est armes, je conseille d'échanger directement, c'est un peu mieux. Et genre là, par exemple, les gars, vous avez genre par exemple ici la carte. Hein. La carte du serveur. Ah, d'accord. Donc voilà la carte du serveur. Elle m'a l'air pas mal, hein, franchement. Pour un serveur assez bien modélisé, assez qualitatif, franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est un serveur, franchement, que je vous conseille. Bon, il y a aussi Brookhaven. On va faire un 2-3 soleil. Celui qui gagne.
Non mais toi aussi, ça t'arrive ton code. Non, c'est pas aussi va. C'est moi qui fais. Vous êtes prêts ou pas? Décris les coups. Venez plus vers la Je suis en god. Sur moi, je peux voir. Pas mal. Non mais venez par là parce que tu peux tu peux battre, tu peux pas. Attention, moi j'ai mes gardes. Tu peux viser aussi pour des gardes. Pour mettre des gardes et quand tu nous frappes, ah oui, c'est vrai qu'on peut se mettre en garde, j'avais oublié ça. Quand on, en gros, quand on, quand je vise, on peut, quand on vise, on peut se mettre en garde, j'avais pas vu. Et en fait, plus on le tape, plus ça fait tomber la personne. Et après, tu vois, voilà, là on peut se relever. Et si par exemple, tu vois, je le tape, hop, il va tomber direct. Donc, franchement, c'est pas mal. Je regarde, si je te frappe, que t'esquives et que tu me frappes, et bah, c'est comme si tu me frappais par en dessous, tu vois. Moi je préfère sans la garde parce que ça va plus vite. Ouais, c'est ce que je vois. Sur le serveur. On peut même la verrouiller, déverrouiller. On a juste à gauche. Là, on a l'armurerie, juste à droite. Il y a l'hôpital à gauche, la caisson de pompiers aussi à gauche là. Ici c'est un double king, un drive. On continue, on se bat. Là à droite il y a un gang. Oh ça va exploser. Arrête de... Oui, ils fument et après ils explosent. Non, je m'arrête pas. Arrêtez de me taper là. C'est le meilleur qui est mort. Ça va bien pour la vie, je sais pas ce qu'il a. Ok, je mets les mains en l'air. Monsieur l'agent, allez-y, j'ai les mains en l'air. Je vais faire une diversion. Ok. Vas-y. Chut. Allez, je cours. Ah, merde. Je cours. Vas-y, cours. Oh. C'est quoi ce bug? Hey. Vas-y, cours, non, je m'arrête pas, cours. Allez, cours. Cours, cavale. Oh, voilà.
Elle est un peu chaude, ouais, mais après il faut juste l'habitude. Moi je te conseille quand t'es en ligne droite, si tu vois, la, ça reste la vitesse et la vitesse est un peu constante. Donc ce que je te conseille, c'est genre d'être en ligne droite, c'est de lâcher le joystick et des fois genre passer de l'avant comme ça, faire un petit coup en avant, juste pour remettre une accélération. Tu regardes. Le véhicule il est explosé normalement, du coup il y a des flammes etc, et c'est pour ça qu'il y a des pompiers, regarde. Il y a des spawns mais du coup tu vois il y a des flammes. Si tu vas, si, bon là c'est un peu bugué, mais si tu vas dans les flammes, ça va te tuer, regarde. Il reste du feu donc c'est un bruit normal. Par contre, je dis ça, je dis rien, mais le feu il fait énormément de bruit. Hein. Vache! Ah oui, t'es en God. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est God Mode, c'est God Mode, c'est genre, en gros, t'es invisible, t'es invincible. Donc voilà. Ah ouais, on peut avoir des toutes petites voitures. C'est stylé. Mais c'est vraiment genre un jeu 100% RP en fait. C'est hyper stylé ça. Oula, 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 je bug. C'est franchement trop trop stylé. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, non, j'ai pas vraiment envie d'être ban moi si je dispose d'une arme auquel j'ai pas de PPA, donc tiens, je te la rends, hop. Non, les vois pas comme ça, les vois pas comme ça, ça va prendre du temps, fais la valise comme je t'ai dit. Ah oui, c'est vrai, autant te faire un échange, je suis bête, je suis plié. Hop, tiens, et tiens, hop, confirmé, et voilà. Voilà. Mal. What? Il y a un mini drone. Mais c'est trop stylé ça. Wesh. Comment il est trop bien fait. Oh là 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 là. Oula 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 oula. Il s'est écrasé. Mais il est grave stylé. Le mini drone et puis la petite voiture. Oh le freinage. Oh là 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 là. Oh le drone. What? Il est en feu, what? Wesh l'explosion. Wouah l'explosion wesh. Un petit truc qui fait un gros boom. Mais ça c'est le. Mais ça c'est. C'est pas le drone militaire ça? Donc voilà, après la map elle est en soi, la map elle est très 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 grande, donc il y a plusieurs maps, hein. Y a celle-ci, après t'as une autre map, et donc voilà, donc franchement le serveur Trap Life RP, il est vraiment vraiment pas mal, franchement c'est un serveur que je vous conseille, après il y a Brookhaven que je vous conseille aussi, mais sinon si vous voulez faire une bonne scène RP tranquillement avec vos amis ou vos proches ou n'importe, franchement je vous conseille ce serveur Trap Life RP, hein. Il y a un petit bonus aussi, il y a plusieurs serveurs, que ce soit des serveurs consacrés pour l'armée, pour les véhicules de course, pour du PVP ou des trucs comme ça, ou du RP aussi.
Ouais, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ça sur la liste. Il y a beaucoup de serveurs. Oh putain, ça va péter. Courez, ça va exploser. Non, mais ça va pas nous toucher de là. Mais du coup, voilà. Et puis, si Gary School a fait une vidéo dessus, ça m'étonnerait pas un peu que le youtubeur va me lancer. Ta gueule là, bon, voilà, je me vends pas. Je suis en train de dire qu'il y a deux parties. T'es pas une star. C'est pas parce que tu l'as forcé. Il y a combien de pourcents de chances que je croise Gary Skull? Frérot, tu l'as forcé à venir dans ton garage. Quand C'est en train de tirer derrière. C'est normal que j'ai envie. C'est en train de tirer derrière. Comme par hasard. T'as vu la jalousie, c'est grave. Oh, ta gueule. N'oublie pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter pour me dire si le jeu vous plaît. Si vous jouez, si le jeu vous plaît. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Monsieur Loli. Je vous fais de gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, les liens sont disponibles dans la description. Steam et Play Store, les liens sont disponibles. Donc, n'oubliez pas, c'était Monsieur Loli. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, vous abonner, d'activer la cloche de notification. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Et voilà. C'était Monsieur Loli.